Salut l'équipe, ça fait un petit moment qu'on s'est pas vu et je vous retrouve cette fois-ci pour une vidéo un peu particulière. Je vous explique. Ma saison avec le FC Vaïakoski s'est bien terminée et je suis maintenant à la recherche d'un nouveau club, même si Vaïakoski souhaite me conserver, j'aspire toujours à aller jouer un peu plus haut et pouvoir trouver le meilleur contrat possible. J'ai déjà participé à un essai en Suède, ça s'est bien passé. Je me suis ensuite dirigé vers la Finlande pour notamment me réentraîner avec Vaïakoski, avec qui j'ai pu disputer quelques matchs amicaux. Et c'est donc pendant que j'étais en train de m'entraîner avec mon club de Vaïakoski que j'ai reçu un WhatsApp de la part du représentant de l'association des joueurs professionnels de Finlande, donc association à laquelle je suis inscrite. J'avais payé il y a plus d'un an 30 euros pour en faire partie, et ça peut notamment permettre de trouver un nouveau club. C'est comme ça que JJK m'avait trouvé, puisque j'avais mon profil sur leur site. Et là, j'ai reçu un texto auquel je m'attendais pas du tout, puisque le représentant m'a proposé, il a vu que j'avais pas de contrat, il m'a proposé donc de participer à un camp pour les joueurs sans contrat. Donc un peu à la manière des stages UNFP en France, pour ceux qui connaissent, pour les joueurs pros qui sont aussi à la recherche de clubs. Là, il me proposait donc ce stage tout frais payé. Donc il n'y a que du positif à en retirer, je pense. On va voir comment ça se passe. En tout cas, pour l'instant, je suis à l'hôtel dans lequel ils m'ont mis en attendant de partir demain en direction du camp. Et ce camp, je ne vais pas le faire tout seul. Je serai avec deux potes français qui jouaient aussi en Finlande l'an dernier et qui sont également à la recherche d'un club en ce moment. Donc on va pouvoir participer à ce camp tous les trois. Donc voilà, je vous retrouve demain au petit-déj pour vous présenter les deux compères. Messieurs, bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter rapidement? On a un bus à prendre. Kylian quand même. Denoual, 22 ans, je viens de France. Un petit peu ton parcours footballistique, Kylian. Commence au Stade Rennais, je fais le Pôle Espoir Trois-Gand, ensuite centre de formation de Caen, et j'ai fini par une N3, ça s'est mal passé, à Dinan-Léon, puis maintenant j'ai fait une aventure en Finlande, un an en Yukonais, et actuellement sur le club, on va faire ce camp d'entraînement. Merci beaucoup. C'est tout sympa. Stéphane Blanc, 18 ans. Non, Stéphane Blanc, 29 ans. J'ai fait quasiment tout le début de ma carrière en Suisse, dans des clubs amateurs et semi-professionnels. Après, j'ai réussi à signer mon premier contrat pro en première division à Andorre. Par la suite, je suis revenu en France. Et puis là, ça fait deux ans que je joue en Finlande. Ok, merci. Et du coup, les gars, c'est quoi vos attentes pour ce camp? Bah, vous, trouver un contrat déjà, ça serait déjà pas mal. Ok, donc c'est vraiment la priorité pour toi? Ouais, clairement. Ilian, toi c'est aussi pour trouver un contrat ou c'est plus pour t'entraîner? Ah, plus pour m'entraîner. D'après ce qu'on a pu voir et tout, et ce qu'ils nous ont présenté, ça a l'air assez pro et je pense qu'on peut être pas mal servi en termes d'infrastructure et le contenu d'entraînement. Donc c'est plus pour s'entraîner parce que quand t'as pas de club, c'est dur de garder un peu la forme tout seul. Mm-hmm. Et après, ouais, s'il y a une opportunité, s'il y a un contrat, bien sûr, dans cette recherche. Et juste vos postes, les gars, vous n'avez pas précisé? Ah oui, c'est vrai. Kylian? Défenseur central et latéral droit. Et moi, attaquant de pointe ou attaquant de soutien. Avec Kylian Denoual. Moi j'ai été boycotté. Les gars, je suis dans les toilettes du camp et regardez le carrelage. Tout est football ici, c'est incroyable.
up, boys. Bon les gars, premier entraînement terminé, ça s'est bien passé, on a rencontré les joueurs, le staff, on a vu un peu où est-ce qu'on allait jouer, ils nous ont filé tous les équipements, donc c'est cool. Kylian, c'était quoi un peu tes impressions au fait de la place ou... Ça donnait quoi ce premier entraînement quand même ? Bien, on a pu se mettre en route et retrouver un peu les routines du football. Je trouve qu'on est bien encadré. Ouais. Bel échauffement, ils donnent pas mal de conseils. Et ils sont plus dans une dynamique d'encouragement. Qui dit Finlande, les gars, dit dîner à 16h. Ouais. Et ça, c'est dur. Évidemment, on a envie de manger quoi là ? Des chocs à pic ? On va devoir manger des pâtes. Et après, on a un deuxième entraînement dans la foulée avant un petit snack ce soir. Comment voir, ils galopent. Les deux Français galopent. Une petite ambiance hein, dans cet échauffement. On peut voir qu'au niveau des pieds, il y a une concordance. Ah, la coordination n'est plus trop au rendez-vous. Stéphane, oui, on est avec Temo Pukki, juste derrière nous. J'ai un petit air de ressemblance apparemment bon, au niveau de la barbe. Du coup, première journée est quasi terminée là. On vient d'aller manger le snack de la soirée. Ouais, ça s'est passé comment ? Franchement, c'était nickel. Hein. Bonne ambiance, bonne réception de la part de l'équipe. Même les joueurs, ils sont venus nous accueillir alors qu'à la base, en Finlande, quand t'es étranger, c'est un peu compliqué. Mais non, franchement, ça s'est bien passé. Il y a plein d'étrangers quand même. Ouais, il y a quand même pas mal d'étrangers. Stéphane, deuxième journée. Plaisir. Je suis bien fatigué. On s'attaque au billard. Vas-y, en direct. Voilà, en plus, je te mets en direct. Bon, la vidéo, ça, est là. C'est la qualité, ça. On vient de se réveiller, les gars. On allait prendre le petit-déj. Voilà, un petit billard. On n'a pas entraînement avant midi aujourd'hui. Ça va faire une petite sieste, je pense. Et après, deuxième entraînement dans la soirée. Les gars, comme vous le voyez, on a tombé le pull. Ça fait plus de 2 heures qu'on est là avec Stéphane. On a fait le premier en 5. Il gagnait 4-0, les gars. La remontada, Stéphane. 5-4. Fallait bien que je te laisse gagner, il faut que je passe dans le reportage. Tu vois. Bon les gars, là on va à l'entraînement. On habite tout là-bas et à chaque fois l'entraînement il a 500 mètres à pied. On se pèle le cul, c'est horrible. Il fait trop froid. Mais il y a du bon sang. Et Antoine, ah vous il est pas très bon. Bien ou quoi? Ça va ou quoi? Tranquille, je peux faire mes nerfs. Bah alors. Putain, Jeannot, là le mou. Oh, il y a la danse là. Les gars, on est dehors là avec Stéphane. Vous voyez le petit lac derrière, ça va se baigner. Je vais pas assumer. Sauna et bain. C'est bon pour la récupération à ce qui paraît. Il fait moins 8 actuellement pour la précision. Je vous laisse imaginer l'eau. Fin du deuxième jour de camp. Bien fatigué. Bien fatigué. On vient de regarder la Ligue des Champions là en bas, comme vous l'avez vu. Et on a fait le petit sauna. Du coup, on est relaxé et tout, c'est cool. Et demain, c'est match hein, déjà. Du coup, les gars, on se retrouve demain pour le match qui sera filmé. Donc là, il y aura enfin des images à vous montrer. Malheureusement, contrairement à ce qu'on croyait, ce premier match n'a pas pu être filmé. Donc il n'y aura pas d'image de ce match. Mais il y en aura du prochain match.
Sur ce, les gars, bonne nuit. On se retrouve demain. Good morning. Les gars, aujourd'hui, c'est jour de match. C'est notre troisième jour ici. J'ai l'impression que ça fait déjà une semaine. C'est un truc de ouf. On a un groupe de joueurs. On ne se connaissait pas il y a trois jours. Et il y a une ambiance de malade. En fait, le fait que ce soit genre... Il n'y a pas forcément de compétition entre nous. C'est vraiment un camp d'entraînement où il y a une bonne ambiance. Personne n'essaie de prendre la place de personne. Donc, c'est pas vraiment comme une vraie équipe de foot pendant une saison avec toutes ces tensions et tout. Là, c'est juste... C'est comme un camp de vacances, en fait. C'est incroyable. Bon, on va aller voir le vestiaire de Stéphane. La chambre de Stéphane. Stéphane, il dort avec Jean, qui est un joueur franco-camerounais. Et Jean, les gars, il a une carrière incroyable. Il a participé aux Jeux Olympiques en 2008 à Pékin avec le Cameroun. Bon là, il est en fin de carrière, il a 32, 34 ans je crois. Il a joué tous les clubs de première division en Finlande, il les a fait. Genre c'est un ancien, mais vous allez voir, il est délicieux, il vient de Marseille en plus les gars. Yes. Ok Jean, les gars, voilà Jean. Stéphane. Vous avez raté le petit déj vous aussi? Ben non. J'y suis pas allé. Ah Jean, il est allé. Ouais. Mais Jean, c'est professionnel les gars. Jean, je fais une petite vidéo, immersion à la Clairefontaine. Ah, sérieux? Du coup, là... Tu blagues pas. Est-ce que tu peux te présenter un peu, Jean, pour le public? Je suis le mafou de la Finlande. Bon, Jean, les gars, c'est le président de la Finlande, il connaît tout le monde ici, c'est incroyable. Et Stéphane, ça a dormi sec, frérot? Ah, quoi, j'ai reposé les genoux parce qu'il sifflait hier. Hein. Stéphane, les gars, il est plutôt jeune, hein, il a réveillé, ça, je me compte. Hein. C'est prêt pour le match ou quoi? Franchement, je le sens bien. Hey, il fait moins 17 là. Non. Là-bas, il y a écrit moins 11, je crois. C'est sympa, c'est une bonne météo pour jouer au foot. Jean, tu marques aujourd'hui? Ah oui, il fait moins 13. Je prends mon plaisir, quoi. Mais est-ce que tu marques? Ah, le plaisir passe par les buts aussi. Sûrement. Et oui, les gars, Jeannot, c'est pas une dégaine, Jeannot, les gars. Ils viennent de Marseille, là, le sang chaud, on les connaît, les Marseillais. Eh, mon Jeannot, ouais. Allez, mon Milo. Oh, tu es pas un vieux, Jean, tu veux marquer. Eh, mon vieux. Bon, les gars, on se retrouve après au match. Allez, dégage. Les gars, jour numéro 2, on a quelques heures du match, mais il y a bien plus important que le match de foot aujourd'hui. Il y a la revanche de Stéphane, là. Les gars. Là, il va pas être bien avant le match. Je vais malheureusement gagner contre lui. Il va être un peu perturbé sur son côté gauche cet après-midi. Rappelez-vous hier la remontada 5-4. Et pour ceux qui reconnaissent, j'ai déjà enlevé le pull. Et ça, c'est signe de victoire. Les gars, une heure plus tard, malheureusement, c'est fait. Stéphane, non, mais encore dans le rôle du perdant. Il faut savoir une chose, il filme pas les matchs. Si vous filmez les matchs, je vous jure, j'ai jamais vu quelqu'un qui a autant de chance que ce mec-là. 5 victoires. Ouais, il fait des prières tous les soirs. Hier, c'était 5-4. Là, c'est 5-2. Ouais, c'est fou. Demain, sera 5-0. Tu menais 2-1, tu gagnes 5-2. Oh, il y a un jeu. Un jouable je bien, les gars. Un jeu. Petit Uno. C'est propre, hein. C'est efficace. Par contre, tu vas pas commencer à faire le mec qui gagne tout le temps, ça va. J'ai gagné, les gars. J'ai déjà gagné, comme au billard. Ouais, là. Les gars, s'il vous plaît, débrief match, oui, ça bonjour. Dit quoi? Quand on jouait contre une opposition, c'était des U20, donc vraiment c'était faible. Nous, on était des. Enfin, il y a des hommes un peu dans l'équipe. On était au-dessus. Physiquement, on était large. On les a mangés, on a gagné 4-0. Mais c'était dur physiquement parce qu'on s'est entraîné fort toute la semaine, donc là, on a un peu payé. Ah, ça s'est senti au niveau des jambes. Dans l'ensemble, on a fait un bon match, hein. 4-0, enfin, c'est propre, net, sans bavure. Semaine prochaine, on jouera contre une meilleure équipe. Ah, contre un choix largement, ouais. Une équipe de 2e division de Finlande, mais très forte. Et on va voir ça. Il a loupé la montée de peu. Exact. Exactement. En attendant, on reprend le Uno, les gars. Stéphane, c'est perdu encore? Qu'est-ce que c'est? Vas-y, on en parle à la fin. Jean, ça dit quoi le Uno? Oh, j'ai la haine là. Kylian, ça dit quoi le Uno, frérot? Moi, ça se passe, j'ai un très bon joueur. T'es avant-dernier, frérot. Bonne ambiance. Je vais gagner, les gars. Fin de stage, les gars. Aujourd'hui, petit entraînement light, tennis ballon. Sous cette magnifique neige finlandaise. Et je crois qu'on a tous kiffé puisqu'on va tous revenir la semaine prochaine. C'est prévu. La semaine prochaine, c'est un gros match en plus, donc c'est vraiment. Et il va y avoir pas mal de coachs qui vont venir, donc c'est vraiment la semaine déterminante. Donc on vous mettra les images du match. Malheureusement, il n'y a pas d'image du match d'hier. Et vaut peut-être c'est mieux. C'est peut-être mieux ainsi. Mais la semaine prochaine, on vous promet du lourd, les gars. Petit débrief. Super. Voilà sur la vidéo sur mon blog. Moi je dors bien. Moi je suis super bien dans ce bus. Je fais le fou la nuit, mais le jour c'est dur. Mais j'assume pas la journée.
les gars, on est de retour pour la deuxième semaine. Et comme vous pouvez le constater cette fois, je crois qu'on a été upgradé. On a fait nos preuves la semaine dernière. La promotion, hein. Regardez, là c'est un peu plus qualitatif. Rien que la télé elle est stylée. Pourquoi vous avez dit un jacuzzi? La salle de bain. La salle de bain, les gars, c'est quelque chose aussi. On voit rien. La deuxième semaine, les représentants d'une entreprise australienne sont venus tester sur nous un nouvel outil permettant de mesurer l'impact qu'ont les chocs et les têtes sur notre santé. On devait donc mesurer notre vision avant et après chaque entraînement et aussi porter un bandeau avec un petit boîtier intégré pendant chaque entraînement et chaque match. Pour cette semaine, les gars, il y a Kylian qui rentre dans la danse. Regardez, balle de match, mais il va mettre la blanche avec sûr. Oh, il la touche même pas. Il est trop beau. Il la touche pas, les gars, c'est incroyable. Oh. Regardez cette merde. Oh non, j'ai plus qu'à pousser, les gars, c'est incroyable, match terminé. Les gars, 17, il a pété son écran de rage, les gars. Non, il a jeté le téléphone. Non, arrête, 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 arrête. Il a jeté son téléphone. Voilà, des dégâts qui sont causés au pire. Bon, les gars, aujourd'hui, jour de match, petit réveil musculaire. Comme on le voit, il y a de belles infrastructures. Voilà, c'est vraiment incroyable ici. Non, Jean. La moitié de mon salaire. Quel exemple tu donnes? Et je lèche chaque jour. Quel exemple tu donnes? 7, 11, and number 9, 2, 4, 5, and 3. Semaine au camp, on va être un peu des rats de laboratoire. On a reçu ces petits espèces de patchs qu'on va coller sur notre cœur. So with Eindhoven avec le coq Antoine, vous pouvez rarement avoir ça. Antoine 25. On va devoir ce le. Petit, ce petit boîtier là. On va devoir se foutre ça sur le torse comme ça, je crois. Et on va le garder pendant 72 heures, c'est ça? Ouais, jusqu'à la fin du stage. Hein. Tout le temps dans la douche, il a dit, quand on dort tout le temps. J'espère qu'on va pas s'électrocuter. Bon, du coup, les gars, ça y est, on a mis ça sur le cœur, c'est très bizarre. Three days later. Allez, garçon. Ah, je peux pas. Nage. Bah alors, allez, nage. Ah, il est fou. Ah, il est fou. Il est fou, reviens, tu vas te noyer. Arrête tes conneries, reviens. Fais la tête. Oh, gros. Oh, il est passé la petite souris. Oh, le zoom. Oh, la tête, c'est trop. Oh, la tête, c'est trop. Oh, c'est froid. Oh no. Oh no. Oh no. Oh no. Oh no. Oh no. Oh no.
Oh non, j'ai un poil, il est naked. Alors, explique-nous ce que tu fais là actuellement. Ils sont trop fragiles. Alors, les gars, là, on a une petite dalle. On a mangé que des trucs healthy depuis une semaine. Du coup, vu que c'est fermé. J'ai eu la chance d'avoir un paquet de bonbons, les gars. Oh, t'as réussi à rentrer dedans déjà. Oh, il a réussi à le lever. Oh, il avait réussi à le lever. Oh, il l'a. Viens le choper, faut que j'ai besoin d'aide. Je peux pas le choper. J'ai besoin d'aide. Oh, Zabi, mes écouteurs. Je peux pas le choper, gros. Je peux pas le choper. Faut pas qu'il tombe. Attends, j'arrête le snap. Du coup, la mission s'est super bien passée. La canne à pêche a payé, les gars. La canne à pêche a payé. On a un butin. On laisse aucune trace derrière nous. Bon, il y a une caméra là-bas. Il y a une caméra là-bas. Il y a moyen que notre stage se finisse là-dessus. Ici, les gars. Pour un paquet de bonbons. Bon, les gars, voilà. On se retrouve à la Yari Litmanen Arena pour clôturer ces 3 semaines de camp. On savait pas combien de temps on allait faire finalement, tous les 3 on est revenus finalement, on a les 3 semaines. Le... Ça veut bien dire qu'on s'est régalé. En tout cas pour moi le bilan c'était très positif. Très positif, j'ai adoré de A à Z. Je sais pas ce que vous en avez pensé, je pense que c'était pareil. Je pense qu'on n'a rien à dire de plus, je pense que la vidéo le montre, c'était des super installations. On a eu des bons entraînements, on a fait des bons matchs. On a eu une équipe, c'était incroyable en fait, tous les mecs qui étaient là, c'était vraiment comme un groupe de potes alors qu'à la base on connaissait personne. Totalement. Donc je pense qu'on va garder contact avec la plupart et tout. Après, pour ce qui est sur le plan de trouver un club, c'était l'objectif de nous trois en fait à la base. Mais finalement ça c'était pas trop possible. C'était pas le but en fait du camp d'entraînement, nous on pensait vraiment qu'à la fin on allait avoir des propositions de club, etc. Qu'on serait vraiment supervisé. Et au final, non, c'était plus une... C'était plus du bonus si jamais il y avait un club, mais le truc principal, c'était vraiment de s'entraîner et de garder la forme. Ouais. En tout cas, c'était super pro. On a pu tester des trucs de haute technologie pour notre vision, pour le cœur. Vous avez vu que j'ai perdu mon putain de truc cardiaque. Là, on avait dit qu'on allait faire le test, ça a disparu dans le lac. Je sais pas combien ça coûte, ce truc. Mais bon. Et voilà, non, franchement, expérience incroyable. Et si c'était à refaire, je le referais, sans hésiter. Ouais, on revient. Surtout qu'on a mangé super bien et tout. Et ça, c'est... ça... Alors, la cantine, je peux vous dire que c'était quelque chose. La cantine. Le défaut peut-être du camp, c'est de pas pouvoir rester plus longtemps. Autre défaut aussi, c'est qu'on a joué 3 matchs amicaux. Donc vous allez voir, il y en a qu'un qui a été filmé, je vous mettrai les images. Mais parmi les 3 matchs qu'on a joué, c'était des équipes qui envoyaient principalement leurs jeunes joueurs, leurs équipes B et tout. Donc l'opposition était pas bonne, on a gagné tous nos matchs facilement. Alors que normalement, on se connaît pas, on n'est pas censé dominer le truc comme ça. C'était un peu le petit bémol, parce qu'il n'y avait pas trop de compétitivité sur les oppositions. Quoi. Mais bon, on s'est régalé. On repart tous sans contrat, mais on est content quand même. On repart tous normalement en France. Donc On verra la suite, les gars. J'espère que ça vous aura plu. Peut-être qu'on se retrouve s'il y a une qualif du PSG ce soir, des petites images. Allez, ciao les gars. À très bientôt. À très bientôt. Talking to the moon.